Des histoires d'horreur? Oui, en partie, puisqu'on parle souvent de victimes de la mode. Et quand il y a une victime, il y a souvent crime. Et ce crime, c'est un crime de mode, en effet, puisque le ruban, pour certaines personnes, à l'époque, était porté, était vécu comme quelque chose d'assez difficile. Et donc, on peut parler même parfois de crime sur ces personnes, crime physique. Donc, quand il y a crime, on peut parler d'une certaine forme d'horreur de la mode. Voilà.